peux y aller. Si tu dis des menteries, ton nez va s'allonger et on va le savoir. Nous disaient nos parents quand nous étions enfants. Et nous, on les croyait bien sûr. À cet âge-là, on était poissons. Et quand on laissait passer une menterie, on surveillait le nez pour pas qu'il change. Mais après plusieurs essais, je me suis bien rendu compte que ce n'était que des mots pour nous faire honte. La 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 la. La force d'un accord et ses variations. Ça s'intitule « Mon nez ». Comme vous l'avez appréhendé, on ne s'est pas gêné pour utiliser la douleur pour écrire de la musique triste. Ah oui, comme Brel. Oui, c'est une composition de Pierre Brel. Ah oui. Oui! Ça, c'est un accord mineur? Oui, par définition. Hey, c'est triste. Le la mineur, c'est triste. Mais ça vient de où, majeur, mineur? Majeur, mineur, il y en a tout le temps. Mm. Ça dépend de où est-ce que tu commences. Mm. Exemple, si je commence avec un do majeur, il est majeur. Mm. Mais le la reste mineur. Par contre, si je commence sur le la mineur, le do reste majeur, mais on est en mineur. Là, on commence à parler de gamme. L'accord mineur peut être dans une gamme majeure. J'aimerais ça qu'on revienne sur les gammes majeures, mineures. C'est pas clair pour moi. Aujourd'hui, on a appris l'utilisation de la douleur. Et de la mineure. Bravo à tout le monde. Hey, c'était le fun. Peace, man. La 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 la. La 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 la. Bonjour, je suis le directeur de l'École de composition musicale Jean-Marie Forgue et Claude Dumenil, située au 59 rue Roger à Saint-Esprit, à deux pas de la rue Serge. Yeah. 9.5.